d'abord, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je reçois, vous avez fait des... Voilà. Je ressors. Attends. Excusez-moi. Voilà la capture du message que tu envoies à un enfant de 19 ans. Tu dis que Kimi a des audios 7. Mais ce que Axel, c'est-à-dire, vous vous souvenez, quand Axel est venu, il a pris une chambre d'hôtel où il était avec ses amis. Il menace, il dit chambre d'hôtel pour penser que Kim, il va menacer Kimi. Il dit, tu as des audios 7, mais ce que Axel nous a fait écouter. Oui, regardez la capture. Ce que Axel nous a fait écouter, c'est-à-dire quand Kimi cause avec Axel, papa Mera et maman Nema lui disent, il faut enregistrer Kimi pour nous envoyer. Et ça, c'est chômage depuis avril. Est-ce que depuis avril, Tata Lolo Boté avait parlé? Pourquoi papa Mera, fais-tu écouter, c'est-à-dire vous piégez Kimi, Axel cause avec Kimi, et vous demandez à Axel d'enregistrer Kimi pour vous envoyer. Hello la famille, bienvenue sur vos copages Buzz Pumas, vos copages qui vous donnent l'actualité sur les stars en temps et en heure réelle. Vous voyez à quel niveau le problème d'Axel Meyer et Kimi s'y prend une autre tournée, non? Maman, Adama, la télé-réalité, sinon, ça que nous donner les frissons, les palpitations pour nous comme ça qui avons mis les organes, le cœur et tout. Haya. Donc, apparemment, le couple ici là, il passait le temps à s'enregistrer ou eux-mêmes ils savaient que ça n'allait pas durer. Parce que je ne comprends pas que comment deux jeunes personnes peuvent être en couple entre eux ils s'enregistrent. Et quand ce n'est pas ça, c'est le beau-père qui enregistre quand il parle avec la belle-fille, papa Mira. À la fin, ça devient même quoi? On sent vraiment que non, le game est glissant, le game est risqué, le showbiz non. Je vous assure que c'est inexplicable. Je ne pouvais pas imaginer que ce genre de choses allait sortir. Hier, j'ai condamné l'attitude de papa Mira pour le fait qu'il avait enregistré Kimi quand il était en train de parler de sa tante en mal. Et voilà ça que Lolo Boté a avoué, que même Kimi a enregistré aussi Axel. Mais aujourd'hui donc, il y a autre chose qui prend alors une autre tournure, c'est-à-dire que les preuves que Axel a enregistré, elle a envoyé tout ça à ses parents, et les preuves sont compromettantes. Ha! La fesse, non. Au fur et à mesure que le temps passe, comme je vous ai dit, ça prend une tournure glacée. Glacée, il y a déjà les menaces, les plaintes et tout, et tout, et tout. En tout cas, on va voir là où l'histoire s'y va arriver, mais ça ne semble pas bon. Je suis très, très déçu du comportement des deux. Là, je ne vais pas vous mentir, je ne soutiens personne. Personne. Et Tata Lolo Boté qui est venu mettre le feu dans ça pour tout gâter. Le feu. Parce que ça, c'était un problème arrangeable. Mais là, là où c'est parti, ça ne peut plus s'arranger. She said she want me back. I never paid a promise, super faithful, tired. Till the day she got me called, I thought she was a